Bonjour à tous. Comment peut-on traiter l'effet charnière dans la maladie de la Peyronie? L'effet charnière dans la maladie de la Peyronie est le nom que l'on donne à l'excès de mobilité du pénis au niveau de l'endroit où se trouve la courbure. En effet, dans ces cas-là, si l'on prend l'exemple d'une courbure dorsale, l'effet charnière consiste en une hypermobilité à l'endroit de la courbure. La résultante est qu'au moment des rapports sexuels, le patient va sentir son pénis se plier et va craindre de se blesser à nouveau et d'aggraver sa déformation liée à la maladie de la Peyronie. Le meilleur moyen de traiter cet effet charnière est dans un premier temps d'atténuer la plaque, cette plaque de la Peyronie qui appuie sur les corps caverneux et qui atténue la qualité de l'érection. Et pour ça, les injections de PRP et l'usage de la pompe sont très utiles. Mais dans la majeure partie des cas, il est nécessaire d'utiliser un traitement chirurgical qui est une intervention tout à fait limitée, qui va consister, si l'on prend à nouveau l'exemple d'une courbure dorsale, avec une mobilité comme ceci, le traitement chirurgical va consister à une plicature tout à fait modérée, limitée, qui va permettre, puisqu'elle est limitée, de ne pas perdre de longueur de pénis en érection, mais qui en revanche va stabiliser la verge et va faire que lorsque la verge est en érection, elle va être limitée dans sa flexion dorsale. Cette intervention que l'on appelle une plicature est une intervention qui nécessite une anesthésie générale. L'intervention dure quelques dizaines de minutes et le patient peut quitter l'hôpital le jour même. On observe ensuite 6 à 8 semaines sans rapport sexuel le temps que la cicatrisation soit obtenue. Et une fois cette intervention pratiquée, on peut reprendre une activité sexuelle sans pour autant avoir besoin de poursuivre plus loin les injections de PRP ou l'usage de la pompe. À bientôt.